chance de faire une reconversion. Voilà, j'ai passé un âge où il n'est pas facile de se reconvertir et j'ai la chance de pouvoir le faire parce que l'alternance fournit tout ce qu'il faut pour la vie de tous les jours. Ça me permet de faire le lien entre ce qu'ils font à l'école, enfin ce qu'ils font en stage, ce qu'ils apprennent et ce qu'ils font réellement ici. Il y a toujours un écart. Donc, après, moi, ce que ça m'apporte, et ben après, c'est, comment dire, je suis un peu leur père. Quand j'ai des nouveaux alternants, je suis toujours derrière eux. Donc, après, j'ai un suivi par rapport à ce qu'ils font. Chaque mois, ils ont un rapport à faire. Donc, et après, moi, chaque période qu'ils sont là, ben, je fais une évaluation avec eux pour savoir où ils en sont sur la formation. Eh ben justement, c'est ce qu'il disait, c'est père famille en fait. Il est là déjà pour nous protéger, pour nous aider à avancer. C'est vraiment nous former au futur métier, quoi. Parce que le but, c'est pas de nous poser et puis de... Non, le but, c'est qu'après, on soit embauché et puis qu'on connaisse notre installation pour pouvoir travailler correctement dans les bonnes conditions. Il y en a qui ont été embauchés, ouais. Les motivations, c'est important en alternant, la curiosité, l'esprit d'équipe, parce qu'on travaille en équipe. Donc après, il faut qu'ils posent des questions, que ça vienne un peu de bête. Mais on est toujours là pour les chapeauter. Bonne nuit. Moi, en tant qu'agent de maîtrise, chef d'équipe, moi, les gars, je leur dis souvent, bien, vous avez bien travaillé, c'est bien. Oui. Bonne journée, bonne ambiance dans l'équipe, on va de l'avant. C'est une famille. Exactement. On est en équipe, on passe Noël ensemble, on passe le jour de l'an ensemble, on passe nos anniversaires des fois ensemble aussi. Donc, non mais c'est vrai. Ouais. Donc en même temps, c'est une famille. L'équipe, c'est une famille.